tous, c'est Petit Gibus. Nous voici donc sur ma série avec la SSE saison 1. Donc on s'était laissé avec cette grosse défaite contre le PSG 9-2. Donc voilà, donc j'avais fait déjà une vidéo où j'avais arrêté contre Ajaccio, mais j'ai eu un souci, c'est que sans faire exprès avec mon ordinateur, il est juste en dessous, avec mon genou, j'ai appuyé sur le bouton arrêt de mon ordi, et ça a coupé tout mon enregistrement, donc je suis obligé, je pouvais pas vous faire, j'avais fait Montpellier et Ajaccio. Donc j'étais obligé de recommencer, mais c'est pas grave parce que en fin de compte, je vais vous faire voir le derby contre Lyon. Donc revenons à nos moutons. Donc on s'était arrêté sur la grosse claque reçue par le Paris Saint-Germain. Ensuite, je joue contre Angers, qui était leader chez moi. Et ben je pensais que j'allais quand même me remotiver un petit peu, mais non, la chute continue. Donc vous voyez, défaite 1-0, un match que j'ai dominé, hein, 54% contre 46, 10 tirs, 3 cadrés, 13 tirs, 4 cadrés pour eux, hein. C'est... Ouais. En fin de compte, je sais pas pourquoi je mets ça, parce qu'en fin de compte, j'ai pas de son. Donc voilà. C'est Guillaume qui marque à la 56e minute. Mon équipe, toujours la même. Donc... On va faire voir le but. Voilà, alors vous l'avez pas très bien vu, je vais vous le remettre, uniquement le but. Donc on essaie de dégager, il récupère un centre, une tête et but. Donc voilà, une défaite 1-0. Ensuite, nous nous déplaçons à Dijon. Dijon, enfin on arrive à arrêter l'hémorragie des défaites, on fait match nul. Il marque en perd et on perdait 1-0. Donc il marque à la 40e minute. On égalise à la 69e minute par Monet Paquet. Un match qu'on domine encore, 52-48. 6 tirs, on en cadre que 2. Que 2 tirs cadrés sur 6. Bon, on marque un but. Eux ils en font 17. Ils en cadrent 7. Donc toujours la même équipe. Hein. Toujours le même 11. Donc Monet Paquet, Taman, Taman qui est avec Amouma, quoi, c'est ça suivant le mec qui comment il joue, quoi. Donc une petite défaite, enfin un petit match nul, hein. Donc on va voir ses buts. Je mets pause, on va mettre T1. Un centre et voilà, blond défenseur complètement à la rue. Et là on joue bien. Anouma qui lance en profondeur, fait un centre en profondeur pour Monet Paquet et qui marque. Donc voilà, 1-1. Alors je me dis, après ce petit match nul, enfin on va remonter un petit peu, donc on va continuer. Donc et oui, et puis j'ai changé de tactique aussi. Maintenant, je joue en 4-3-3, donc c'est une tactique que j'ai prise sur Steam. Donc, Loretiam Klump, un peu à la Liverpool. Bon, j'ai pas encore vraiment les joueurs de Liverpool pour faire une bonne tactique, mais ça marche quand même assez. Hein.
Voilà. Donc, on joue à domicile contre Rennes. Et là, eh ben, à nouveau une défaite. Je pensais qu'on allait arrêter l'hémorragie, mais non. C'est reparti. On repère contre Borigo. But de Borigo. À la 25e minute. Un match qu'on domine encore. 15 tirs, 5 quadrilles. Hein. Ils font 5 tirs, 3 quadrilles, ils marquent. Donc toujours la même équipe. Hein. Ouais. Sauf que MTEP a remplacé Monet Paquet. Sinon, Debuchy, Subotic, Perrin, Bengué, Emani, parce que Cinéma et Mvila a été suspendu. Donc voilà, toujours les mêmes joueurs. Hein. Béric, 6-2. Il faut vraiment que je me trouve un autre attaquant parce que ça va pas là. Soit que je fasse revenir Diony, ou soit que je trouve un autre attaquant parce que là, ça va plus les attaques. Donc on repère. Et là, enfin. On joue contre 3 et enfin une victoire au bout de 7 matchs. 7 matchs sans victoire et enfin une victoire à l'extérieur contre 3. Match qu'on domine encore, 51-49, même si c'est assez équilibré. On fait 11 tirs, 3 cadrés et on marque 2 buts. Eux en font 7, 4 tirs cadrés. Donc il y a un meilleur ratio quand même pour eux que pour nous. Pas mal de cartons jaunes. Hein. Donc enfin Béric marque son petit but. Mtep qui marque. Donc voilà, hein. Subotic est sorti parce qu'il avait pris un carton jaune remplacé par Madé. Cinemae qui est sorti parce qu'il a pris un carton jaune remplacé par Emani. Sinon c'est toujours à peu près la même équipe. Hein. Donc Mtep a vu qu'il avait fait bon match, là il a refait un bon match, donc il est toujours titulaire. On va mettre les moments forts parce que sinon c'est. Pardon. Sinon ça va trop vite en fin de compte les buts. Ça va pas. J'arrive pas, je comprends pas. Voilà. Donc là, un centre. C'est repoussé par mon équipe. Mais ça donne rien. Donc. Qui rattaque, alors une espèce de balle en profondeur. Heureusement que Ruffier arrive à arrêter la balle. Une balle en profondeur qui part du gardien. Donc, on récupère la balle sur un centre perdu des Troyens. Anouma, Cinemae, Cinemae qui lance en profondeur. Dubuchy qui centre, et voilà, et but. Là, très bien joué. Dubuchy a bien été lancé en profondeur. Beau centre, et Berry qui marque. Qui continue à attaquer, qui joue un peu à la passe à 10. Voilà. Il les lance en profondeur. Mais c'est récupéré par Perrin. Perrin qui passe par Ruffier, mais c'est reperdu. Et là, une tête, heureusement, arrêtée par Ruffier. On lance Béric en profondeur. Béric qui perd la balle. Donc on arrive à la deuxième mi-temps. Donc on fait un peu la passe, la bonjour à la baballe. Voilà. Encore une passe en profondeur pour Béric. Béric essaie de centrer, mais c'est récupéré par un Troyen. Qui relance. Et voilà. La balle est perdue par les Troyens. Donc récupérée par mon joueur qui lance Anouma en profondeur. Anouma qui centre et Mtep qui marque. En fait, on joue beaucoup en profondeur. Donc là, c'est perdu par les Troyens. On relance direct sur devant. Voilà, on relance encore direct devant, mais on repère la balle. C'est ce qui fait qu'en fait, on perd beaucoup la balle. Les Troyens, ouais, ils perdent la balle au milieu de terrain. Anouma sur le côté. Anouma qui essaye de faire un long centre en profondeur pour Mtep, mais ça passe à côté. Un corner qui ne donne rien. C'est récupéré par les Stéphanois. Mvila qui lance sur le côté Pajot. Pajot qui centre et c'est dégagé par les Troyens. Et voilà, ouais, c'est récupéré, heureusement. Voilà. On fait des longs ballons. Voilà, on joue en long ballon. Et c'est une petite victoire. 2-0 contre 3. Et là, on continue sur les victoires, sur notre lancée. Enfin, deux victoires de suite. Une victoire à domicile contre Metz. Un match qu'on domine encore. 59 à 41. 18 tirs. 7 cadrés. 7 tirs de cadrés pour eux.
But de Mvila à la 82e minute. Alors là, on se dit, 82e minute, putain, ça a été long pour marquer, et on marque. Et à la 91e minute, penalty pour Metz, tiré par Nolan Roux et arrêté par Ruffier. J'ai eu chaud quand même. Je me dis, je remets la même équipe. Hein. Ouais, je remets la même équipe. Sinemaek qui est revenu. Donc c'est toujours la même équipe. Hein. Mbengue qui est sorti, carton jaune, sorti par remplacé par Gabriel Silva. Sinemaek qui se prend un carton jaune, mais non, il sort pas. C'est Pajot qui se prend, qui est blessé. Qui se blesse, donc qui est remplacé par Diousse. Et Béric qui ne me fait pas un bon match, donc qui est remplacé par Rousset. On va voir ces moments clés. Donc voilà, Anouma sur le côté qui lance Mvila centre et la balle tête Béric au-dessus. Catherine touche pour Béric. Béric qui perd la balle, c'est récupéré par Catherine. Pajot qui tente un centre, mais c'est donné par la tête à un défenseur messin. Alors là, une espèce de relance. Là, ils ont bien joué. Heureusement, Roux tire à côté. Mbengue. Mbengue, ça joue bien. Ça lance en profondeur Mtep qui centre, mais la tête, je sais pas si c'est une tête un peu bizarre. Ouais. Messin qui tente, qui essaie de jouer. Voilà. C'est récupéré par Mbengue. Serre perdu par Diousse au milieu de terrain. Mguette qui fait un centre. Et là, heureusement. Et il n'arrive pas à la reprendre de la tête. Donc un autre centre, heureusement, c'est repris par mes défenseurs. Donc on arrive à la 90e. Anouma qui lance en profondeur Mtep, mais le tir est arrêté par le gardien. Mais ils ont marqué, j'ai pas vu le but. On n'a pas vu le but là, j'ai pas rêvé, on n'a pas vu le but. Ah bah oui, il est là le but. Ah j'ai eu peur. Donc un centre en retrait hein, pour Mvila qui est repris par Mvila. Et là, confusion, voilà, hein, confusion dans la surface. Donc penalty pour Roux. Et Roux va tirer au centre. Et Ruffier n'a pas bougé et resté sur sa ligne. Donc arrêt de la main. Heureusement, Ruffier nous sauve. Donc voilà. Dernière attaque pour Metz, mais c'est récupéré par mes défenseurs. Voilà. Ah non, c'était pas la dernière. Là, on a eu chaud. On a eu chaud. Je crois que c'était la dernière, mais non. Il y a eu un centre. Il y a eu une tentative de lancer dans le dos. Mais heureusement, il était hors jeu. Ensuite, nous jouons contre Montpellier, qui est dernier. Un match encore qu'on domine, mais alors de 61% à 39%. 17 tirs, 6 cadrés. Eux, ils ont 3 tirs, ils ont 4-2. Quand même. Anouma qui marque à la 15e minute. Mon équipe, c'est toujours la même. Hein. Ouais, c'est toujours la même. But d'Anouma. 3 cartons jaunes. Debuchy qui est sorti, qui est remplacé par Monet Paquet, Théophile Catherine. Non, c'est Monet Paquet ou Théophile Catherine? Oh, je sais plus. Non, ouais, c'est Théophile Catherine. Sinemaé qui sort, carton jaune, qui est remplacé par Diousse. Et Mtep qui m'a fait un match pourri. Remplacé à la 71e, j'aurais peut-être dû le remplacer plus tôt, par Moné Paquet, qui a pas fait un match non plus extraordinaire. Donc, victoire 1-0. Donc, ce qui nous fait notre troisième match consécutif victorieux. Troisième victoire consécutive. Debuchy
Touche pour Béric, Debuchy. Debuchy qui essaie de passer, mais non. Il perd la balle et c'est tout de suite contre-attaque. Montpellier, heureusement que c'est récupéré par la défense. Mvila. Mvila sur le côté. Mtep qui repasse par le centre. Pajot. Pajot qui lance en profondeur. Hanouma. Et but. Très beau but. Sur une super passe en profondeur. Donc Mbengue, là il aurait pu centrer, il a tenté de tirer tout de suite, le gardien est arrêté. Voilà, un centre montpellierain mais qui ne donne rien. Alors là, une perte de balle au milieu de terrain, heureusement le joueur tire sur le gardien. Parce que là, une perte de balle comme ça, c'est pas possible. Donc toujours Montpellier qui attaque. Alors là, j'ai eu peur aussi qu'il y ait eu penalty. Mais heureusement, il n'a pas sifflé. Allez, on part par derrière. Debuchy, Pajot qui relance derrière. Mvila, Mtep, Hanouma qui lance en profondeur. Béric, mais c'est mis en corner qui donnera rien. Corner Montpellierain récupéré par les Stéphanois. Mais qui lance, qui essaie de. Alors là, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait un long ballon en avant. C'est récupéré par les Montpellierains. Heureusement, on récupère la balle. On tente de lancer en profondeur. Mais ça donne rien. Cinemae, Pajot, Mvila, Béric qui lance en profondeur Hanouma, mais c'est repoussé par le gardien. Dommage parce que c'était bien joué. Corner qui donne rien. Moi, c'est récupéré. Ça donne rien. Voilà. Mbengue qui centre, mais directement dans les mains du gardien. Et voilà. Donc, troisième victoire consécutive. 1-0. Ça nous fait un peu d'air quand même. Hein. 3 victoires consécutives. Où on prend pas de but en plus. On marque 4 buts, on prend pas de but. Alors qu'avant c'était le contraire. Hein. On prenait des buts et on n'en marquait pratiquement pas. Après, on joue le troisième tour de la Coupe de la Ligue contre Ajaccio. Alors là, j'ai eu peur aussi. Parce qu'on fait 3-2. Hein. On mène dès la deuxième minute par Pajot. 54e Subotic. On mène 2-0. Dans la foulée, réduction du score par Selemani de Ajaccio. Un match où on fait 16 tirs, on en 4-10. Ils font 11 tirs en 4-5. Ils marquent 2 buts. Nous, on en marque 3. On domine encore 58%, 42%. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes. 5 cartons jaunes. Donc 2 pour mes équipes. Pour mon équipe. Donc Théophile Catherine qui est remplacé par Pierre Gabriel parce que Debuchy était suspendu donc il n'a pas pu jouer ce match. Mbengue qui se prend un carton, il est remplacé par Gabriel Silva. Sinon Diousse vu que Sinemae était suspendu aussi. Donc Diousse, sinon c'est la même équipe. Hein. J'ai mis Tamana à la place d'Anouma. Il m'a fait un assez bon match. Hein. C'est lui, il a fait 2 passes décisives. Une passe décisive de Pajot, un but de Pajot. Perrin, Subotic. Alors les deux défenseurs qui marquent. On va voir ce match. Les moments clés. Hop là, le terrain. Donc voilà. Un petit coup franc en retrait pour Pajot dans la surface. Tir et but. Ça commençait bien, même pas une minute de jeu, on menait 1-0. Là, on continuait notre domination. Mvila, Pajot qui lance. Là. Touche en une balle, enfin, jeu en une touche de balle qui menait à un tir, mais bon, arrêt du gardien. Donc Mvila, ça joue bien en triangle. Mvila qui perd la balle. Donc ça va vite, ça lance vite en profondeur. Voilà. Centre, heureusement, ça donne rien. Et là, ça revient, c'est dégagé sur un de leurs joueurs qui fait un centre dans la surface et c'est repris par Selemani. 2-1. Hanouma qui tavigère et qui perd la balle. Donc coup franc. Sur une tête de Subotic.
Non, c'est 2-1 ou 1-1? Non, c'est 2-1, je crois. Là, je mène 2. Là, il y a 2-1 pour moi, je crois. Donc, c'est récupéré par eux. Là, on récupère la balle. On lance, on essaie de lancer Béric, mais bon, pas assez rapide. Donc, c'est récupéré par les Ajacciens qui lancent en profondeur. Un centre. Et voilà, ma défense complètement prise à revers. Alors, complètement prise à revers et but. Et là, Perrin. Perrin sur un corner qui arrive à marquer. Mvilla qui essaye de lancer sur le côté, mais c'est récupéré. C'est récupéré par nos joueurs. Ça repasse par Mvilla. Mvilla qui lance en profondeur Taman. Taman qui tire et c'est dégagé par le gardien. Voilà, un corner qui donne rien. Coup franc direct. Qui passe au-dessus, Pajot. Là, on perd la balle. Heureusement, ça donne rien. Ils essaient de lancer en profondeur, mais c'est récupéré par ma défense. Voilà, on joue. Mvilla. Berry qui lance en profondeur, Mtep. Mais ça, il tire sur le gardien, en fait. Dommage, il tire sur le gardien. Après, il récupère la balle, il essaie de faire un centre, mais ça donne rien. Corner, c'est dégagé par la défense. Pajot qui repasse par le centre. Perrin qui essaie de lancer Mtep. Mtep qui tire, mais c'est arrêté par le gardien. C'était bien joué, mais bon, ils ont un bon gardien. Et là, j'ai eu peur. Parce que là, on arrive à la fin et j'ai cru qu'ils allaient égaliser. Ils avaient fait bien jouer. Donc voilà. Là, ça relance en profondeur. Ça, voilà. Ça perd la balle, mais ça donne rien. Donc, on passe le troisième tour de la Coupe de la Ligue. Le troisième tour de la Coupe de la Ligue. Alors, victoire de Montpellier contre Amiens 1-0. Guingamp, Caen 1-0. Nîmes qui écrase le LOSC 5-0. Toulouse qui gagne au pénalty contre Strasbourg 1-1. Troyes qui, on va dire, qui écrase Rennes 4-1. Le Havre qui perd contre Quivigny 2-1. Metz qui gagne contre Dijon 1-0. Clermont qui écrase le leader de la Ligue 1, Angers 5-2. Nous qui gagnons 3-2. Et Nantes qui gagne 1-0 contre Lorient. Il n'y a pas eu de tirage au sort, je crois. Non, il n'y a pas eu de tirage au sort encore. Donc voilà. 4 victoires de suite. On revient en championnat. Et voilà. Et là, c'est reparti pour une défaite contre Toulouse. Un match où pour une fois on est dominé. Mais je vais vous dire, ils marquent le but à la cinquième minute. C'est leur premier tir cadré, premier but. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes dans ce match. Il y a même eu une expulsion. Cahuzac, bon, on va pas dire que hein, on s'y attendait. Un match où on est dominé. Donc 17 tirs, 3 cadrés. 6 tirs, 3 cadrés. Un but. Mon équipe, ouais, c'est la même. Hein. C'est la même. Donc les moments clés. Voilà. Ça joue bien. Diop. Ouais, voilà. Tout part d'une touche. Ça joue bien, ça joue bien. Tout part d'une touche. Debuchy qui essaie de lancer Béric sur le côté en profondeur. Béric qui centre. Pajot, pourquoi il tire pas là? Le ballon revient sur Pajot. Il est tout seul dans les 16 mètres face à la cage, mais il tire pas. Là encore une action chaude pour Toulouse. Un tir qui passe au-dessus. Béric qui joue vachement bas, je trouve. Mvilla qui essaie de lancer Mtep, mais bon, Mtep il tire mollement donc arrête facile du gardien. Pajot, Mvilla, Péri qui essaie de lancer en profondeur Hanouna, mais ça passe à côté. Deuxième mi-temps. Mvilla qui monte. Et voilà, deuxième carton pour Cahuzac et expulsion de Cahuzac. Bon, le coup franc ne donnera rien.
On récupère pas vite. Voilà, on repère, on récupère et dans la foulée on repère. Donc voilà, ça lance en profondeur. Et heureusement, mon gardien n'a même pas bougé. Le ballon est directement arrivé dans ses pieds. Donc voilà. On repère encore la balle. Là, on récupère. Voilà. Mon paquet. Pourquoi il tente pas le centre, le tirer? Il y avait des joueurs dans la surface, il tire. On lance Moné Paquet en profondeur, tir arrêté par le gardien ou directement sur le gardien. Donc ça récupère. On essaye de mettre la balle dans la surface vu qu'il y avait plein de joueurs en espérant que ça arrive sur la tête de. Même pas, je crois. Même pas ça arrive sur la tête de Berry. Je crois que le gardien directement dans les mains du gardien. Donc voilà, on perd. Et on perd dans le plus mauvais moment parce que c'est juste avant le derby que je vais vous faire maintenant contre Lyon. Donc avant ce match, donc voilà le classement. Marseille est premier, Angers deuxième, Lyon est troisième, Paris quatrième, Monaco, Guingamp, Nantes, Metz, Rennes, Dijon, Bordeaux, Toulouse, nous on est 13e, Amiens, Nice et le LOSC 15 et 16e, Caen. Strasbourg et Montpellier, 20e Montpellier. 20e. Les buteurs brillants Cavani, Delors. Les passeurs Maïmar, 6. Lemar, Maïmar et Lemar, 6 passes décisives. Et Saïd, le Dijonais, 5 passes décisives. La meilleure moyenne, c'est Lemar. Brillant. Et Bon, j'ai du mal avec ce nom. Donc voilà. Donc je vais vous faire le match en direct contre Lyon. Ouais, j'ai peur que je me prenne encore une cacahuète. J'ai peur que je me prenne encore. Surtout que j'ai tous mes défenseurs. Alors, je suis obligé de faire jouer Mohamed. Un joueur des moins. Il a 17 ans. Non, 18 ans. Parce que mes trois défenseur gauche, Gabriel Mbengue, ils sont suspendus, blessés. Non, Mbengue est suspendu, Gabriel est blessé, et Katratis, que j'aurais pu mettre titulaire, vu que c'était le troisième, il est légèrement blessé. Donc je le mets en remplaçant parce que j'ai rien d'autre, sinon je suis obligé de piocher encore dans la réserve. J'ai Pajot qui est suspendu aussi. Donc je suis obligé de faire jouer Diousse au milieu de terrain. Donc je pense que déjà le match au niveau des joueurs ça commence mal. Donc allez, on va faire ce match tout de suite. Ouais, bah, je suis obligé de lui mettre. Hein. On va pas lui mettre le numéro 10. Hop là. J'ai encore mal que. J'ai peur de me prendre encore une correction, quoi. J'ai peur de me prendre une correction. Je joue en contre. Hein. Si je me souviens bien, je joue en contre. Ouais, en contre. Allez, on va leur dire. Pas de pression. Ah, j'aurais dû leur dire concentrez-vous. On a déjà fait un tir, mais il n'est pas cadré. Et on a déjà fait une faute et deux fautes des Lyonnais. On domine. Ah, ça y est. Ils reprennent la domination. Ouais, c'est serré. Ils ont deux tirs encadrés. Ah, ça y est. Trois tirs encadrés pour nous. Quatre tirs encadrés. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà, on perd la balle. Comme d'habitude. Et là, ouh là là, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors, on va leur dire de se concentrer. 7 tirs, 3 cadrés. Alors, on a un bon ratio. Hein. Mais pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Ils ont réussi à faire qu'un tir cadré. Ça veut dire qu'on les maintient assez. On continue 8 tirs, 4 cadrés. Mais pour l'instant, les actions, on n'en voit pas. Donc le match. J'ai peur que je vous fasse voir un match assez pourri, quoi, en fait. Allez, allez, on récupère la balle là. Punaise, c'est pas possible. C'est pas. Alors, je le sens mal. Là, je le sens mal. Oh là là, le pseudo
centre là pour Traoré. Traoré. Heureusement, ça passe à côté. Ils ont toujours un tir cadré. Allez, encourage. Allez, les gars. On domine, on domine. En plus, c'est à domicile, les gars. Putain. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, on va faire ça. On va passer par le vestiaire. Il me dit quoi? Après, si... bon, on va envoyer le délégué. Comme ça. Tac. Allez, les gars. C'est reparti pour le. Ah! Oh, il se refait Fekir. Fekir est sorti. Ah, c'est vrai qu'il a pas fait un bon match. Moi, ça va, la défense, ils font un bon match. Mon Taman, bon, je pense que je vais faire rentrer Anoma. On va faire rentrer Anoma. Je pense que Bergui va sortir aussi. Hein. Oh là 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 là. À chaque fois qu'on voit en fait des actions, c'est eux. À chaque fois. Hein. Et pourtant, je domine. On va demander à resserrer un peu parce que, ouais, vous voyez, ils ont qu'un tir. Ah, punaise, c'est Némé qui prend un carton. MTEP qui va sortir. On va faire rentrer Monet Paquet. À chaque fois que. Bon, si je fais match nul, je m'en sors bien. Ah, ils font sortir. Allez, une action pour moi là. Ouais, on repère la balle. Ah, on a récupéré et on repère la balle. On perd trop facilement la balle. Allez, allez, Béric! Oh, Béric! Oh, Béric, je t'ai critiqué jusqu'à maintenant, mais alors là, la passe en profondeur. Oh, super, Béric! Allez, je vais sortir Sinemaé parce que j'ai pas envie de jouer à 10. Ah ouais, mais je peux, je sais même pas qui c'est que je peux rentrer. J'ai pas de. Ouais. J'avais pas. Ah si, les gars. Ah ouais, mais c'est pas vraiment son poste. Hein. Est-ce qu'il peut. Ah là là là. C'est un peu mieux comme ça, donc on va faire jouer comme ça. On va faire jouer Mvilla un peu plus bas. Là là, hold up quand même. Allez, carton jaune pour Raphaël. Allez. Allez, allez. Allez, tire! Oh là là, dommage. Beau tir, ça passe au-dessus. Allez, concentrez les gars. Concentrez jusqu'au bout là. Allez, on arrive à la fin là. Allez, 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 allez. Ils ont fait que deux tirs cadrés, punaise. Ce serait machin que sur leur troisième tir, ils marquent. Ah putain, fan Mohamed. Allez, concentrez les gars, concentrez. Ah oui, allez, allez, je le sens bien là. La victoire, la victoire. La victoire contre les Lyonnais. La victoire contre les Lyonnais. Oh là 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 là. Ah là, c'est. J'ai eu peur quand même après la grosse défaite contre Paris, qu'on se fasse écraser par Lyon, qui sont quand même en haut du tableau. Et on gagne. On gagne. Excusez-moi. Voilà. Je les félicite pour leur machin parce qu'on ne nous donnait pas vainqueur. Et ils ont fait un super. Superbe match. Ils ont fait un superbe match. Victoire 1-0. Marseille qui a gagné. Bordeaux qui gagne. Dijon qui gagne encore. Putain, Nice continue à perdre. Bordeaux remonte parce qu'ils sont juste derrière nous. Ouais, on n'est pas très loin. Hein. On est à 4 points de la 6e place. 5. Ouais. 7 points, on va dire 7-8 points de la quatrième place. Donc c'est encore jouable. Hein. C'est encore jouable. C'est encore jouable, surtout que là on reste quand même sur une bonne dynamique. C'est dommage qu'il y a cette défaite là contre Toulouse. Donc voilà. Je vous dis au revoir. Le prochain.
prochain match qu'on jouera, ça sera contre l'OM et sûrement le match de la Coupe de la Ligue. Voilà. Donc voilà, je vous dis, allez, c'était Petit Gibus, je vous dis à bientôt, allez. Tchuss!